Salut YouTube, ici Mikado et on se retrouve pour un nouvel épisode de la campagne légendaire avec Azag. Alors, je crois qu'il y a eu deux tours. Il essaye de reconstruire l'armée vu qu'on avait détruit cette armée au dernier épisode à Daganoff. Et là, bah, on a cette bataille-là qui nous attend avec le chaman qui a le casse-tête qui aussi provoque la peur et terreur. Let's go. Et on voit ce que ça donne. J'ai augmenté un truc de scrap. Contre. Du coup... simplement pour augmenter sa puissance d'arme pour qu'il tape encore plus fort. Je me dis qu'en plus c'est intéressant si à un moment il est vu qu'il est anti-large. Et bah pourquoi pas. D'ailleurs bonus d'anti-large de combien? Bonus large 8. 8 c'est pas fou, mais si on en met genre 4-5, ça pèse quand même. Ce qui est intéressant en vrai avec les orcs costauds, c'est qu'ils sont capables, je trouve, d'aller finalement dans... Autant dans la mêlée avec de l'infanterie et finalement aussi finalement ce côté anti-large. Un peu comme comme si j'avais un genre d'albardier humain. Ouais. Bah du coup albardier tout court. Salut Mipsou. Bon. J'ai la catapulte et j'ai surtout le chaman. J'espère que j'ai beaucoup de magie. Il y a beaucoup de corps à corps en face. J'avais dit beaucoup. Hein. Bon, bah on va parier vu ce qu'il y a. J'avais dit beaucoup. Ouais. Donc eux ils sont là pour aller chercher. Alors est-ce que j'irai pas tuer vite fait là le petit gars qui va se trimousser là-bas là pour justement Par contre le terrain est assez dégueulasse. Bon, Azag est quand même en forme. Il a pas beaucoup de défense en mêlée, donc faut quand même que je fasse attention à lui. Par contre, le chaman, t'inquiète pas, il va t'observer. Et s'il a une occasion... Le terrain est pas forcément fou pour la catapulte. Elle va tirer sur ce qu'elle peut, puis c'est tout. J'espère qu'ils vont venir. J'espère. Ah, ils veulent jamais venir maintenant. Si j'avais pu avoir mon chaman sur... Sur comment? Sur un sanglier, j'aurais mis des explosions pour les triggers. Ça aurait été parfait. Mais pensez pas être caché. Hein. Je le dis tout de suite. Je vais vous voir direct. Hein. Ah les enfoirés. Oh, vous imaginez, j'aurais mis une explosion ici! Ça court vite, ça? Vitesse 33, ok, d'accord. Oh, bah alors là, cours! Hein. Run! Qu'est-ce qu'il me fait? Mais vas-y! Mais continue! Continue, je t'encourage! Attends, j'arrive! Bouge pas! Laisse! Non! Non, il se désolide! Non! Oui.
mais il y a un mortier à la con. Ah, par contre, je crois que c'est bon. Je lui ai fait 46 morts. C'est déjà pas mal. Mais il y a un mortier, oui. Aïe. Bon, ça va, ils vont pas me faire trop mal, mais... Oh putain, il est à cheval, lui. C'est pas grave. Hey run. Vas-y le mortier, tire. Vas-y. On va aller te chercher toi le mortier très rapidement, t'inquiète pas. Hors de question de laisser ça dans le coin. En vrai là-dessus c'est efficace le buveur d'esprit, donc oui, tous les jours. Ah, t'as pas de blocage, tu te fais tirer dessus gratuitement. Bon, Azag contre Seigneur là, vous en pensez quoi? Allez. Attention aux deux là. Alors, plus jamais vous fuyez. Le chaman, je le recule. Là, tu peux largement tanker les trucs. Bon, par contre, voilà, faut claquer la wagla maintenant. On est où l'araignée? Ok. Allez, va corps à corps aussi, t'inquiète. Ok, parfait. En vrai, je prends juste les trolls. Ok, je fais attention à mon chaman. Ok, ça c'est bon, ça poursuit. Allez, lui on l'aura forcément. J'ai bien envie d'envoyer les trolls sur sa gueule. Faut savoir qu'il est en mode courir, hein. Donc si je gagne le fight là,
Voilà. Tout est perdu. Sauf le seigneur là. Ah, attendez, on peut l'avoir lui ou pas là? Ou alors je le laisse. Je le laisse parce que du coup il va vouloir recruter avec lui. Ça va ralentir le recrutement avec l'autre. Ouais, je le laisse. Salut ton cam. Salut Igor. Bah pour l'instant ça se passe bien. En vrai on fait des... On en tue pas mal, 159 avec le casse-tête. C'est propre hein. Bah par contre j'ai vu hein, il a raté je crois deux fois. Ce qui fait qu'il a perdu de la vie pour le spell quoi. Ouais, j'ai envie de prendre l'argent, parce que l'argent, mais... Et la gêne aussi, c'est bien, parce que la gêne... Si j'ai l'occasion, est-ce que prendre la petite ville là tout de suite après, ça me permet de régène bien? On a tué le mortier. On a tué beaucoup de brotteurs. Je pense qu'il faut que je prenne la petite ville, à la limite que je la mette à sac. Ah mais non, ça me régène pas ça. Pour l'instant je suis en territoire hostile. Je vais mieux prendre la régène. Voilà, c'est ça, casse-toi. Donc là, techniquement, t'as plus de force. Donc là, ce qui m'intéresse... C'est soit de lui prendre cette petite ville parce qu'elle rapporte beaucoup. Et derrière, ça me permet après d'aller là-bas. Parce que là, si j'ai vu qu'il y a une armurerie dedans. L'armurerie peut dire les albardiers arrivent. Et je veux pas d'albardier. Et là, du coup, si je vais là-bas, en deux tours, j'y suis. Et pendant deux tours, je régène. Il va avoir quoi? Allez, augmente sa régène comme ça, ça monte plus haut. Voilà, on va réduire. Il est à 50, voilà. Une chance sur deux, il va passer à 35. Mais par contre, je sais pas si je vais le claquer au niveau 2, hein, ce casse-tête. Hein. En vrai. Donc là on a réussi, alors ici on est passé en positif parce qu'entre la WAG, donc l'obéissance, plus le petit truc qu'on a mis ici, plus bah bientôt l'obéissance qu'ici, pas de plainte. Fermez-la vous tous, ou c'est le chef qui vous rabat le caqué. J'adore. Chaque phrase franchement est une perle en fait dans cette techno. Hein. Assurez-vous. Tout le monde paie ce qu'il doit, chef. Envoyez les gars chercher quelques dons à ramasser. J'adore. Et là, on ira chercher ça. Hein. Même si ça touche pas nos orques à nous, c'est pas grave. J'ai pas encore de cavalerie, mais j'aimerais bien en avoir assez vite. Et après, on pourra avoir ce seigneur. Ogloc l'Orib. Donc je vais pouvoir avoir le mur. Il devrait améliorer notre ville. Dès que j'ai un grand chef orque noir, ça serait là, du coup la première fois que j'utilise cette unité qui est sortie à un moment de nulle part. Ouais, c'est à moi d'aller, je pense, très vite sur la grande ville. Hein. Salut Flosis! Petite croissance négative, mais on s'en fout. J'ai juste envie de voir s'il s'est mis là, du coup. Non, il est en train de recruter, je pense, quelque part, mais je sais pas où. Est-ce que ça vaut le coup, du coup, que je détruise sa ville pour pas qu'il recrute? Parce que si je lui casse ça, il ne recrute pas. Hein.
Il ne peut pas, en fait, il n'a pas la possibilité de recruter. Ça veut dire que 3 tours pour aller là-bas. Alors que si j'y vais maintenant... Visiblement, en 2 tours, j'y suis. 2 tours pour avoir la grande ville. Mais ça veut dire que derrière, il va peut-être me capturer ça. Bah, ça me semble trop bien d'aller là-bas, hein. Aller là-bas pour avoir la grande ville tout de suite, être renforcé, sachant que lui... Il n'y a rien dedans, hein. Ça veut dire que nos orques, ils montent tranquille, ils défoncent tout. Hein. Azag aussi, il n'y a pas de souci. Là, il vient à peine de recruter 2-3 unités, je pense, au prochain tour, parce qu'on l'a bloqué, on l'a fait reculer, on a décidé d'avancer. Là, il s'est mis en mode recrutement, donc il va avoir 3... à 5 unités d'un coup. Ouais, je pense que c'est tous les jours là-bas. Hein. Tous les jours. Parce que un mur là-bas. Voilà, j'ai 3000. Je peux investir dans ça au prochain tour ou ça. C'est ce qui leur manquait, quoi. Attaquer les unités à assaut de la garnison. Trop bien. Donc là, je régène quasiment mon armée full. À quelques petits détails. Dont mon chaman. Comment ça se fait que mon chaman, il a toute sa vie? Je gagne le niveau pour attaquer clair. Je récupère ça, ça et ça. Et je suis bien. Et je suis juste trop bien. Sachant que si jamais il capture ça, c'est pas grave, ça rapporte 120. Hein. Ce qu'il rapporte là-dedans actuellement, c'est ça. Hein. Allez. Par contre, on est déjà autour 17. Hein. Et je devrais bientôt pouvoir claquer ma wag. Et ma wag va être claquée, idéalement, sur le tueur. S'il ne s'est pas déjà occupé, non. Vous voyez, il y a toujours l'œil rouge qui est là. Ça veut dire que ça se challenge encore entre les deux. Si je suis rapide, je le chope. Hein. Allez, t'as pas d'armée, s'il te plaît. T'as pas d'armée dedans, s'il te plaît. Allez, faut que ça passe. Je ne te laisse même... Allez, parfait. Je peux directement attaquer parce que j'ai un assiégeur. Enfin, j'en ai deux même. C'est quoi ça? Ah oui, remplaçable. Eh ben, let's go. Ouh, du coup, directement la grande ville. Ce qui fait qu'il y aura un mur qui va pouvoir pas mal bloquer d'ennemis. Donc, on va probablement s'étendre un peu sur le territoire humain. Mais on va faire en sorte que le vampire soit bien. Donc là, une fois que j'ai Ostermark... Tant que je suis pas attaqué par Kislev, je pense pas que j'attaque Kislev. Et je vais peut-être aider plutôt le vampire. Voir d'ailleurs là s'il n'y a pas moyen de tisser quelques liens encore en plus. Sachant qu'on peut claquer l'explosion plus sur les murs de mémoire. Moving fast! Yeah!
Standing! Moving fast! Wah! Let's get some! Shaman! Que j'ai envie de le faire maintenant, non, on va attendre un peu. Bon, eux ont pris un peu de dégâts, mais c'est pas grave, ils défoncent la porte maintenant. Est-ce qu'en vrai je rentrerai pas ici avec ça? Parce que là il y a assez d'âmes sur les murs. On est déjà nombreux quand même. Voilà, boum. Comme ça tout de suite on l'affaiblit. Alors normalement il y a un chef là dans le coin. Je peux l'utiliser qu'une fois. On va essayer de le garder précieusement. Allez les gars, montrez votre puissance. Je sais pas s'ils peuvent toucher. Ok, il est en train de monter, c'est normal du coup que je sois bloqué. Ici, visiblement, on réussit à forcer. Là, il y a un joli petit tas, là. Il manque qu'une chose. C'est d'imploser. On va bientôt pouvoir déclencher la WAG. Et là, claquement de la WAG, terminé. Normal. Bah, il y a quelque chose encore de debout là. Vraiment? Ah oui. Voilà. Salut Docteur Claw. Tranquille. Donc pour l'instant, nos boys font le taf. Hein. 42, des fois, c'est quand même correct. Hein. Seulement 19. Ah ouais. Nos trolls aussi. C'est cool de savoir que ça monte quand même. Vu que j'affronte de l'humain. Et que dedans, du coup, il y a de la cavalerie. Il y a des tireurs. Forcément, on voudra des costauds sur sanglier. Ah non. Oh, je peux modifier mon armée si je veux. Ouais, bah je vire eux. Peut-être que les autres ont une faible précision, mais n'empêche que... Voilà. Ici, c'est orc avec Azag. Il n'y a pas de gobelin. Et là, maintenant, on est enfin l'attaque éclair. Je pense que je préfère augmenter ça. Alors du coup, l'argent apporté ici.
Alors là, normalement, il est plus capable de recruter parce que je viens de lui enlever ses deux bâtiments. Donc il va vouloir reconstruire rapidement. Forcément, ça va se faire vite quand même. C'est pour ça qu'il faut que j'aille assez vite aussi pour l'avoir. Allez, dans un niveau, j'ai un pied de Gork. Alors du coup, l'argent, sachant que ça me permettra d'assez vite chercher la fosse à combat. Ouais. Ok. Alors j'espère ne pas être trop attaqué. Alors il faudrait que je me dépêche d'avoir Nagen off. Il faudrait que maintenant je déconstruise tout de suite les deux bâtiments qui me permettent d'avoir... Et derrière d'avoir un mur et pas à la limite de l'ordre public, je pense. Ordre public ou croissance? Je sais pas. Déplacer un personnage au mont du Goro Madmi. Prestige grandit, monseigneur. Les Merci. Récits de vos conquêtes traversent monts et vallées. Le développement de votre puissance se fait remarquer. Même par le roi le plus distant et le seigneur le plus bestial. Oh ouais. Moi ce que je veux surtout c'est plaire à lui. Hein. Welcome to my realm. Oh, il est en guerre contre le petit Skaven là, le clan... Ah mais non, c'est le clan bas. Ok. Bon, pour l'instant, il y a les Von Karstein aussi qui sont bien en vie. Oh, il se fait attaquer par les Skaven. Je pense que je peux y aller aveuglément. Pas besoin de m'embêter. Je casse ces deux bâtiments là. On est à plus 4. Une fois que je vais aller là-bas, je vais me mettre comme d'habitude en mode... Donc là le Skaven essaie de profiter de sa faiblesse. Et ça se trouve je vais attaquer plutôt le Skaven que lui. Hein. Parce que les deux je les ai emportés. In the motion. Parce que là, à tous les coups, ouais, c'est... ça se sent d'ici que c'est Skaven. Et ce que je peux faire, c'est si jamais il attaque ça et qu'il s'affaiblit, selon ce qu'il fait, j'attaque ça, puis j'enchaîne ça, ça. Et j'ai la province. Allez. Là, c'est risqué. Hein. Là, c'est une dépense risquée, ça. On va éviter. Voilà. De se mettre en raid. On est à moins 17, c'est normal. Ça va vite se régler. Ouais. Ouais, Igor, cette campagne-là est enregistrée pour YouTube. Alors. Est-ce que le Skaven va attaquer direct... Ah! Mais c'était une ruine en fait. Oh. Ouais, mais est-ce qu'il va réussir à l'entretenir? Je sais pas. C'était une ruine, les gars. Dommage. Ça, on pourra rarement l'empêcher. Hein. Mais c'est pas grave. Parce que ma WAG s'active bientôt et j'ai d'autres objectifs derrière. Allez, survie mon ami, t'inquiète. J'arrive, t'inquiète. Et merci beaucoup Igor, merci pour ton abonnement offert. Merci beaucoup à Karazu du coup, bienvenue Karazu, merci énormément Igor pour ton soutien. À mon avis, juste contre... comment ? Contre l'œil rouge, je pense. Je sais pas s'il est en guerre contre les vampires. Ça devrait plaire aux vampires que je l'attaque quand même, mais... Alors, j'aimerais bien quand même choper le Skaven. Roi. Ou je me contente de ce que j'ai là. Sachant que le problème, c'est que si je commence à... Si j'attaque le tueur...
On va sûrement, après avoir un souci, ça va être en frontière avec les autres. On n'a pas envie d'être en frontière avec l'autre nain Zouvbar. Enfin, on va regarder, on va aviser, hein, c'est tout. Hein. On n'a pas le choix. Voilà, maintenant on a des archers qui font des dégâts, entre guillemets. Et surtout la portée. Bizarre, ils les ont pas nerfs d'ailleurs. Parce que faible précision, je m'en souviens. 20. Je sais pas pourquoi je les voyais taper plus fort moi. Allez les gars. Le problème c'est que ma quête elle me demande d'aller dans le nord. Ça m'embête de devoir attaquer qui se lève. Et si je voudrais essayer de débloquer vite ma quête, ça me mettrait aussi le clan Mulder dans la poche. Sûrement. Et après je vais me retrouver contre la Norska. Oh. Pas trop envie. Tiens d'ailleurs, va par là toi. J'ai toujours pas la portée là. Il y a un truc à un moment qui me permet d'augmenter la portée. Quand vous voulez que j'ai... C'est bon, je vais avoir la portée là. C'est quoi là qui a fait... Ah, c'est parce qu'ils ont détruit un décor. Faire des trucs comme ça, tu sais pas à quel point je veux mon petit sanglier sur le chaman. Hein. Voilà, donc là on commence à bourrer dans le tas. Voilà, sans mort, pas mal. T'as pas l'air de les déranger. Salut Ritsu, comment tu vas? Allez, 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 allez. Allez, pour une unité, c'est déjà bien. Ah, quoique, je suis même pas sûr qu'ils aient besoin d'aide. Let's go. Parce que là, entre les archers plus la catapulte,
pense que ça va assez vite plier. Allez, essaie de trouver un bon angle si tu peux pour tirer ton projectile. Allez. Est-ce que du coup, enfin, ça c'est une petite question pour ceux qui connaissent. Est-ce que Grom, finalement, on peut l'avoir sur l'Empire Mortel ou pas? Parce que je l'ai jamais vu. C'est un peu une question. Si je pouvais l'avoir, je ferais une armée gobeline du coup avec lui. Mais j'ai l'impression qu'il n'existe pas du tout dans l'Empire Mortel. Oh, bah tiens. Salut toi. Ah bah oui, là forcément vous prenez cher là. Il commence en lustrie. Ah ouais, c'est trop loin. Et je suppose qu'il se fait péter la gueule à chaque fois, quoi. Pas du tout, pas en lustrie. Non, non, non. Ah. C'est pas alors. Si. Ça va bien, Ritsu, ça va très bien. Mais non, mais on parle bien... Oui, le départ que tu fais toi, mais le départ qu'il a en IA. Là, on parle. Si, il en a un. Ok, avant de penser au fric, on va essayer de penser à la protection. Ici, j'ai un truc qui brille, donc c'est cool. Mettez-vous d'accord, s'il vous plaît. Je pense qu'il sera jamais augmenté là-dedans. Enfin, j'ai trop de points à mettre pour penser à ça. Les gobos. Non. On veut les boys. Les boys. Les boys. Boys, boys, boys. Oh, mais là, c'est quoi? C'est archer orc et les orcs sauvages archer. Ok, d'accord, non. Cavalerie. Puissance des armes pour toutes les unités d'infanterie. Orc, ouais, c'est juste ça. Ok, ok. Voilà, ouais, donc c'est juste l'agressivité. Catapulte, ouais, pourquoi pas avec lui. Catapulte. Et là... Ça me tente beaucoup d'avoir ça. Et ça, mais bon... Déjà, l'entretien serait pas mal, mais là, il est niveau 9, 10, 11, 12, 13. Je fais beaucoup de points pour ça, quoi. Après, ça va être 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21. 22, 23, et après il y a ses spells. Ouais, mais alors, bon, au moins, à part le conduit arcanique, le vol de vie, buveur d'esprit, ouais, je dis oui. Un petit fatalitas, tout ça, je dirais pourquoi pas. Oh là là, il y a trop de points. Type louche. Chef du tunnel, ah oui. Ouais, est-ce qu'on va vraiment avoir beaucoup de combats? Et mâche-crâne.
Ah, mais c'est pour ça qu'il se fait casser la gueule alors. Je sais plus. Ouais, à un moment, j'avais envie de dire Boys Band, mais bon. Non. Mais le moins 15% ferait tellement du bien. Enfin, moins 15. Moins 23% même. Moins 23. Pour les unités d'infanterie et de cavalerie orc et costaud. Moins 48% les gars. Je peux avoir moins 48% pour la plupart de mes unités en entretien. C'est beaucoup quand même, hein. C'est beaucoup. Après, je peux me contenter du buveur d'esprit si jamais. Voilà, parce que la WAG finalement fait un peu. Enfin, ça serait plutôt le Fatalitas que je voudrais. Plutôt que. Ah, le Fatalitas, je peux peut-être lui caler 2 points. Hein. Parce qu'un Fatalitas commandement plus la WAG claquée. Ça commence à faire beaucoup de commandements en moins. Hein. Par contre, je vais jamais arriver au conduit arcanique avec tous les points que je dois lui mettre. Hein. J'aimerais lui mettre quand même aussi, s'il est sur Mash Crane, peut-être ses points de vie. Enfin, c'est. Lui, il a l'air de jouer beaucoup autour des costauds quand même. Frénésie pour toutes les unités d'infanterie et de cavalerie. Ouais. Bon, on va voir. Hein. Après, ça nous paie assez anti-humain quand même. Hein. Parce que du coup, ça cave. Pas jamais, si on met que des orques costauds. Anti-large. Si on met... Imaginons, bah en plus, en contact, en vrai, si tu augmentes la puissance d'armes chez eux, 59, c'est quand même fort. L'attaque en mêlée, elle est haute. Elle va monter encore plus avec plein de trucs différents, avec de la résistance ultime et tout. T'as même pas besoin d'orques noirs avec lui. Je sais pas du tout si ça prend en compte aussi les orques noirs. Mais là, comme je vois, pour les unités d'infanterie et de cavalerie orques et costauds. J'ai pas l'impression qu'il parle d'orques noirs, là. Donc, bon. Ouais, non, mais ça me paraît trop fort, là. Ça me paraît trop fort. Déjà là, 3000, un petit moins 15 pour, moins 23%, ça ferait du bien. Donc idéalement, il faudrait que j'aille là-bas. Il faudrait que je regarde la puissance qu'il a, le Skaven. Il y a une armée quelque part qui traîne, mais je sais pas où. Et alors, du coup... Il est déjà en guerre contre le clan Mulder. Et qui se lève, c'est défendu, on est d'accord. Ouais. Est-ce que ça pourrait pas être mon objectif de WAG en vrai? Après, ça laisse le nain grossir. Ça m'embête. Je sais pas. Je ne sais pas. La coïncidence est drôle. Je viens de recevoir un mail. Pour un livre WAG. Ah, c'était le destin. Ah! Il faut demander un permis, les gars. Allez, c'est gratuit, ça. Hein. Hey boys, are you ready? The crowd's whispering.
Allez, un petit moins 8%, ça fait encore gagner des sous. Lui, il a gagné son petit niveau. Salut. Joli pied, gore, aïe. Le dernier repas, hein? À la recherche du don de régénération, de jeunes adeptes de magie imprudents ont essayé la gastromancie des ogres. Bah oui, mais non, il n'y a que Grom qui a réussi. Mais un désastre ne tarda pas, du coup, à arriver. Ils invoquent par inadvertance la gueule elle-même. Ah, claquant de ses mâchoires puissantes à la vue du banquier qui s'offre à elle, la gueule dévore les malheureux sorciers tout crus et se volatilise avec une éruption sonore. Ce bouleversement arcanique a sapé les vents de magie dans toute la faction. Il y en a, ils ont tenté le Grom, hein. Et c'est pas passé. Le fabricationneur d'idoles. Ah ouais. Quel bâtiment je peux mettre ici pour pouvoir recruter quelque chose? Rien. Donc en vrai, bon bah là, prochain tour, idéalement, faudrait que je mette ça pour avoir les catapultes. Voilà. Catapulte hors costaud. C'est parti. Le Skaven, est-ce qu'il y a moyen de le détruire? Ou alors je le laisse comme ça? On va aller checker. Donc le mec a quand même trois armées. Elles ont l'air toutes un peu claquées. Mais soit. Welcome to my realm. Ah, c'est dommage que tu me laisses pas. Intrusion contre la Sylvanie. Mais oui, mais enfin. Enfin. Oui, forcément. Toi, t'es en guerre contre Styrland, le clan Féric, là. Le problème, c'est que c'est une armée de merde qu'il a, mais ils vont être casse-couilles parce qu'il va falloir courir après, quoi. Mais avec toute la peur qu'on génère, par contre, ça va courir partout. Ah, ça va être le déplaisir, ça. Parce qu'ils vont pas arrêter. Il va falloir cliquer sur chacune des unités pour les choper. Après, en auto-réseau, est-ce que son armée là... Ah, jamais je claque la WAG pour ça. Hein. Après, c'est un petit trophée, mais... Qu'est-ce que ça donne, lui, en trophée? Qui se lève, c'est... Rand Force 54 et l'autre c'est 69. Ok. Vous êtes nombreux quand même, hein. Ça m'énerve de pas vous voir en fait. J'aurais bien aimé jauger l'armée s'il y a que des esclaves dedans. En vrai. Je fais une attaque éclair, je chope son armée, elle est toute nulle. Les autres subissent de l'usure et après il m'attaque direct parce qu'il a pas le choix. Et ça me fait trois régions, quoi. Et d'un côté, il y a aussi le fait que là, actuellement, il garde la zone en vrai. Qui c'est? Par qui? Ah bah ça change les choses les gars, hein. Pour le coup. Ah bah ouais. Hein. Ok, ça change la donne. Ok. Alors je vais pouvoir avoir des orques costauds à prix réduit, surtout si je gagne des points là-bas.
Ah. Bon bah on va aller attaquer de l'humain hein. Ouais mais toi t'es chiant là à voir le territoire là. Je sais bien que ça te plaît pas que je passe mais bon. Intrusion, intrusion. Comme c'est qu'il est trop puissant du coup il veut pas se... Ah, ça va peut-être être qu'il se lève hein. Ça va peut-être être qu'il se lève, je vais pas, peut-être pas avoir le choix hein. Ça c'est moi au réveil. Qu'est-ce qu'il nous a fait l'autre là? On va gagner un peu plus de sous. L'autre il a pas le temps d'assiéger là normalement. Je pense qu'il va garder encore un tour. J'espère. Pas du tout. Quel enfoiré. Ah puis ça le blesse pas du tout non plus hein. Un pack de non-agression, t'es contre Zoufbar et l'autre. Non, j'ai pas envie d'empirer la chose. Et je savais même pas que j'étais en guerre contre lui en fait. Il y a dû y avoir un événement. Vous êtes rentré en guerre contre. Alors que bah moi. En termes de force, on est pareil, ce qui veut dire que c'est ça. Est-ce qu'il va vouloir me rentrer dedans? Je pense que oui. Ça me donne un peu plus de défense. J'ai pas envie de rentrer à l'intérieur. J'ai plus de défense mêlée, etc. Donc, ouais, bah, vas-y. Allez. Je gagne 1300. Je t'attends. Et je vais claquer la... La voile qui se lève si jamais ça survit là-bas. Je pense qu'il va vouloir me sauter dessus. Donc je peux recapturer derrière. Ah l'enfoiré! Là il commence à y avoir de l'albardier, c'est chiant. Encore faisable mais c'est chiant. Enfin, je crois. Ah, il commence à y avoir un petit peu de défi là quand même. Hein. Ah, donc le fait de capturer là-bas tout de suite, l'autre il m'a déclaré la guerre. Ok. Est-ce qu'il y a un truc utilisable pour le terrain pour faire chier un peu l'ennemi? Ouais, ça peut éviter le contournement. Zéro! Ah bah autant parier quoi. Ok. Je le rappelle, on a un pied de Gork. Hein. Les bouboules. Ok, il arrive. Ah putain, pourquoi t'es pas sur son vivier? J'aurais tellement été chaud. Est-ce qu'en vrai je... Là je gagne 1 toutes les 6 secondes. Si je fais ça je vais pouvoir me booster correctement. Si je balance ça là je mets un pied de Gork tout de suite sur sa gueule hein. Allez ma catapulte depuis tout à l'heure elle sait faire des dégâts. Donc je m'inquiète pas trop pour elle. Si je gagne, en plus on a une défense mêlée un peu améliorée. C'est quoi qui m'amène dessus? Des bretards juste? Oh c'est nul. J'aurais bien aimé attirer un albardier.
moving fast. Des dégâts magiques énormes. Approche-toi, on va par là toi. Ah, ah, te laisse pas, voilà. Tac. Tac. Non. Voilà. Tu vas sûrement te faire tirer dessus. Mais là, je cale un pied de gork là-dessus, c'est terminé. Hein. Tous les albardiers y passent. Hein. Alors il faut attendre un peu les gars. Ok. Ok, chopez-les eux. Bon, on a pris quelques dégâts, mais c'est bon. Allez, venez-vous. Allez, si je peux atteindre le moral des troupes, je le fais. Par contre, on prend pas mal de dégâts, forcément. Allez, il va falloir qu'on se dépêche de claquer la wag. Hein. Allez, 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 tirez dessus. Voilà, ça les affaiblit bien. Ça abandonne. Ok, les tireurs, on va de plus en plus les retrouver. Voilà. Allez, on claque la wag, ça motive tout le monde. Allez les gars, faut tenir le coup. Allez les boys. Allez les boys. Allez, on essaye de les empêcher d'avancer. Allez, 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 allez. Allez, faudra apporter les renforts. Ouais, là-bas, bah forcément. C'est qui eux? Ok, d'accord. Ça, c'est de l'emmerde. Juste. Voilà, donc là on a réussi à s'accaparer un peu tout ça. Si je pouvais lui claquer, je l'aurais fait parce que ça l'aurait probablement tué. Ah ok, allez les tireurs. On s'en fout d'eux. Ça abandonne un peu de notre côté, mais c'est pas grave. Je vais séparer eux. Donc eux c'est en poursuite, c'est bon. Allez, l'albardier il essaye encore de revenir. Mon araignée elle en est où là? Elle a fait sa vie hein. Elle a fait sa vie. Donc là, on provoque peur et terreur. C'est bon. Voilà, c'est bon. Vous voulez bien maintenant me laisser tranquille? Cool.
Allez, on reclaque la wag. Qui devrait les atteindre en morale. Parfait. Dans le dos. Sur le côté. L'araignée, ça serait pas mal, ouais, qu'elle tue tout ça, là, en fait. Hein. Ok, ouais, toi, tu essaies d'y aller, quoi. Oh, vous les rattraperez jamais, vous. Alors, toi, fallait pas venir. Voilà, normalement, il meurt, là. Hein. Paf! Allez, paf! Boum! Allez! Voilà! Donc là, l'araignée était là pour achever. Hein. Donc là, l'arquebusier, s'il te plaît. Merci. C'est bon, tu laisses plus rien, de toute façon. Allez, l'araignée. Allez, 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 vas-y, 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 vas-y. Ah, ça se fait que vous courez aussi vite, là. Les gobelins, ils vous rattrapent même pas. Oui, si je pars. Allez, hop. Voilà, bien ralenti. Allez, on les achève. Je veux plus d'archer. Je sais pas si je vais le one shot Mookmook, je sais pas du tout, parce que bah, je suis sur un terrain inconnu là, pour le coup, je sais pas encore qui je veux absolument avoir ou pas. Ok, c'est vrai que le chaman a fait mal, nos igouillards ont fait très mal. On sent, voilà, là on commence à sentir que le boys, c'est mignon, mais faut pas en abuser. On prend de nouveau la régène. Pour aller sur Béchafen. The crowd's whispering. This is good. Le moins 15% pour spammer. Ouais. Le coup de boule, si jamais j'ai déjà fait un pied de gork et que j'ai plus de temps de... Alors ce qui est marrant, c'est que voilà, je peux avoir le loup tout de suite. Est-ce que je le prends en vrai? J'ai l'impression. Hein. Mur, hein. Mur. Ouais, je pense. Hein. Je peux claquer ma wag, mais c'est dur de savoir où. Hein. Bon, les cas. Ouais, s'il te plaît, merci. Voilà. On prend l'argent encore. Et on chope ça tout de suite. Allez. Parce que pour l'instant, c'est pas dit que j'y arrive. Hein. Là, une fois que j'aurai renforcé ma province de base et que peut-être avec Azak, j'aurai réussi à monter vraiment le truc, je sais pas. Mais là, pour l'instant, c'est pas gagné encore. C'est ce qui fait que là, j'ai cette impression un peu de tourner en rond parce que finalement, j'ai un nouvel ennemi. J'avais prévu d'attaquer le Skaven, mais on va pas attaquer le Skaven, hein. Ça c'est sûr que non maintenant. On arrive à survivre à chaque fois. Les archers. Avec les trolls pour péter la porte. Et pourquoi j'ai zéro à chaque fois là? Ah mais c'est l'autre truc là. C'est mon debuff à la con. Il doit me mettre en départ de magie à zéro. Je suis, c'est bizarre. Mais non, c'est l'event. Allez, enfonce-moi la porte. Qui c'est le chef? Salut, salut, qui c'est le chef?
running. Il n'y a pas vraiment le mec que j'ai absolument envie de plus. Hein. Nasty stalkers. Show us the enemy. Et là, faut vite que je remplace mes boys hein, par des costauds. Hein. Ok, commence à me faire des trucs comme ça. Voilà, venez, venez. Vous allez pas venir? Non? Là. Ok. Je crois que j'ai fait pas mal de morts. Hein. C'est bien, c'est que les deux provoquent peur et terreur en permanence. Voilà, allez, s'il te plaît, rends-moi la ville. Alors, est-ce que je dois aller sur toi, du coup? Ça, c'est un peu la question, ça. Parce que là, je vais regarder si ça plaît à la Sylvanie que je t'attaque. S'ils s'en battent les couilles, je fais la paix et je déclare la wag sur qui se lève. Même si elle est pas très forte, c'est pas grave, du moment que ça me fait une wag qui me permet de récupérer ce que je veux pendant ce temps-là. Ça me fera un trophée plus nécessaire pour après. Alors, à la base, j'avais investi dedans, ce qui est dommage, du coup, parce que... On n'a pas beaucoup de place, quand même, dans cette zone. Kislev serait plus adéquate pour nous. Hein. Les gars, il y a Mulder qui a écrasé Kislev. Ok, normalement toi t'es jamais agressif, tu te branles limite, et là tout d'un coup on sait pas pourquoi. Ok. It is night. Ouais, il aime bien. Bon. Du coup, ce qui peut être intéressant, ça appartient déjà à l'Empire là-bas. Hein. C'est peut-être juste de raser sa ville, sachant qu'on pourrait capturer après là. Greenskins, I have witnessed thy kind many times before. Est-ce que je peux te proposer Aïe, le problème c'est que je me mets en frontière avec lui après. J'ai envie d'aller l'attaquer. Est-ce que je peux faire la paix avec lui? Mais il y en a un autre qui va m'attaquer, c'est quasiment sûr. Parce que ces régions sont là, donc si je l'écrase... Ouh. Ok. Silence dans les rangs. ouais, voilà, bah, mon armée est 2781 maintenant. Il n'y a plus grand chose, hein, en termes de coups. Ah, mais je vais pas quand même claquer la wag sur toi. Ce serait nul, non? Moi, j'aimerais bien aller attaquer lui. Mais j'ai l'impression qu'on va m'emmerder.
Parce que si je m'enfonce là-bas, jamais je reviens en arrière. J'ai plus le temps. J'ai plus le temps. Alors que là-bas, je pourrais avoir des costauds et après aller attaquer ses remparts à lui. Ce serait juste dingue d'avoir cette ville, d'avoir ces deux régions-là. Mais l'Empire, après... enfin, le vampire va-t-il s'en sortir face au reste? Très bonne question. Question très compliquée à répondre. Je pense que je suis un traité. Ouais. Ça plaît pas aux vampires. Ça va pas plaire aux vampires, ça c'est sûr. Mais bon. Bon, par contre, hein, s'il veut y avoir une petite rébellion, on prend. Hein, on voulait. Voir combien de temps ça va me prendre de les avoir. Parce que ça se trouve, ça prend un tour à avoir des costauds. Et ça fait 1h12. Non! Non, non, je joue juste avec les mods GCCM pour de temps en temps peut-être avoir un petit truc cool. Merci. Corvi Vénus, merci à toi pour ton follow et bienvenue. Tribu pour avoir. Ouais, non, 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 tu vas quand même me créer la rébellion, s'il te plaît. Merci. Donc, je reste à côté. Je gagne quand même 1800. J'ai presque envie d'enlever ça. Je suis à 140 ? Ah ouais. Ah ouais. Ok, je vais enlever ça. Oh, le moins 10% me plaît là. Hein. Le 10% aussi, il me plaît. Hein. Les champignons qui soignent, c'est bien ça, non? Catapulte, tout ça, ok. Là, ça me permet pour les orques noirs. Ok, donc là, c'est les derniers trucs à prendre. Hein. Là, c'est les traits du seigneur, ça m'intéresse pas forcément. Par contre, les vents de magie, tout ça. Pour les idoles, ouais, pourquoi pas. Pour les entretiens de gobelins, je m'en fous. Pour toutes les unités, recrutement global plus 2. Et ça me... Le petit moins 1 est plaisant, là, quand même. Hein. En vrai, hein. Mais ça demande beaucoup de temps, non? Qu'est-ce qu'il faut pour avoir ça? Ah ouais, faut débloquer ça, ça, ça pour avoir ça. Ouais. Peu d'extorsion de revenus. Ouais, on va prendre les champignons qui soignent. Donc c'est une rébellion Skaven, ok. Je voudrais claquer ma wag sur vraiment le nain. Hein. C'est contre le nain que je dois être à ce moment-là. Il faudrait que mon chaman parte. Bon, je regarde les guerres là. Hein. Ouais. C'est bon, pas de guerre? Pas de guerre. Et j'ai zéro guerre d'ailleurs là. Ouais. C'est gentil d'être passé. Ah non, mais par contre, faut le tuer. Hein. Tu peux être sur sanglier maintenant.
Et t'as le conduit arcanique. Sanglier au conduit arcanique. Un conduit arcanique. Hungry, Stalmacher. This way. En vrai, il nous régale, lui. Hein. Il permet d'avoir encore un niveau et d'aller chercher le réputé écrin. Ah, on commence à débloquer quelques trucs. Hein. On va éviter de le vexer. Parce que là, c'est chez lui. Après, il y a peut-être bientôt une rébellion. C'est vrai que passer par là pour après... En combien de temps je recrute en... Deux tours. J'ai pas forcément envie de me mettre en rébellion maintenant, mais deux tours, c'est pas mal. Hein. Deux tours pour combien d'unités? Trois unités d'or costaud. Et par contre, il me coûte super cher. Ouais. Faut pas oublier ça, donc non. Donc là, pour l'instant, c'est encore chez moi, ça. Ah oui, mais non, là, c'est plus chez moi. Je frôle les murs pour pas qu'il m'attaque, quoi. Ça, par contre, si ça passe, truc qui brille, hein. Obéissance, tout ça, c'est trop bien. Je vais sûrement pouvoir faire une deuxième armée. Une armée full débile, boys. Qui me permet d'avoir une wag encore en plus avec. J'espère juste que j'arrive à temps. Parce que si sa ville est niveau 4 et qu'il met un mur, c'est mort. C'est juste mort. Ouais, qu'ils reprennent 1500, j'en ai pas besoin. Shaman, l'armure d'Azag est acceptable. Il y a des pics aux bons endroits, un crâne par-ci, par-là, et elles arborent le sang séché de nombreux ennemis tombés. Mais il manque quelque chose et Azag n'arrive pas à mettre le doigt dessus. Il fait appel à ses chamans et exige des réponses. Ok, d'accord. Je viens de compléter deux trucs sans le vouloir. Pourquoi pas? Bah, j'ai... Ah non, c'était genre la réponse à la question. Bon. Est-ce que j'ai le temps de faire un mur? Là, deux tours. Deux tours et ça, ça me rapporte 300 au lieu de 200. Deux tours, deux tours. Si j'y arrive, je fais aussi de l'obéissance ici. Et ça va nous mettre bien. Et par contre, dès que je vais claquer la wag, je vais perdre le bonus. Hein. Non ! Je n'avais rien vu. Bon. J'ai oublié de le bouger. C'est pas grave. Dans tous les cas, j'ai juste à quitter, à revenir. Parce que j'ai oublié de bouger Azag. Sur YouTube, on va s'arrêter là. Bah, je pense qu'on reprendra du coup la campagne au moment où justement je claque la wag sur le nain pour lui bondir dessus simplement pour récupérer sa ville, pour récupérer du coup la province entière derrière. Et après, bah, on verra bien. On va pouvoir faire en fonction de des vampires. Je vous avoue que je peux envisager d'abandonner par exemple Béchafen. Même si c'est dans mes objectifs, c'est vrai que c'est des objectifs qui vont disparaître tout seuls, j'ai l'impression. Déjà qu'ils se lèvent, Ostermark aussi.
Et le dernier, bah, c'est l'objectif que je suis en train de faire. Donc ça se trouve, ça sera assez rapide. Mais au final, si je fais ça, peut-être que j'irai plutôt dans le sud pour faire l'objectif long avec Nagashizar si c'est pas trop long. Voilà. Du coup, des gros bisous YouTube et au prochain épisode. Ciao, ciao.